commence par un quiz sur l'une des questions fondamentales de l'expérience humaine. Quelle est la différence entre un homme et une femme ? Alors non, ce ne sont pas les poils aux jambes. Non, ce n'est pas la rudesse des hommes. Et la grande sensibilité des femmes. Ce n'est pas non plus le fait que les filles jouent avec des poupées blondes synthétiques quand elles sont petites et que les garçons s'amusent avec des voitures puisqu'on connaît, en voilà une, des camionneuses de grand talent. Enfin, ce ne sont pas non plus les régimes amaigrissants d'avant l'été qui différencient les hommes des femmes puisqu'aujourd'hui tout le monde s'y met. Non, en fait, la différence tient en un chiffre, 25%. En France, en 2012, les femmes gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes. Comment ça s'explique ? La principale raison, c'est que les femmes travaillent moins. Attention, entendons-nous bien, c'est le cas parce que trop souvent, on ne leur propose, pour ne pas dire impose, que des emplois à temps partiel. Pensons aux caissières de supermarché. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie de travailler 20 heures par semaine, 6 jours sur 7, un peu le matin, rien l'après-midi et le lendemain pareil, mais à des horaires différents ? L'une des raisons de ce temps partiel imposé aux femmes, c'est qu'au début des années 90, les entreprises qui embauchaient des salariés à temps partiel recevaient des aides de l'État. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude, notamment dans le commerce et l'industrie agroalimentaire, parce que des petits contrats de travail, c'est plus flexible pour l'employeur. Autre explication, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes parce qu'elles travaillent majoritairement dans des secteurs où les salaires sont plus faibles, comme le social, les services à domicile ou la grande distribution. Enfin, la dernière explication est, comment dire, toute crue, il s'agit ni plus ni moins que de discrimination. À poste, temps de travail et responsabilité égale, les femmes gagnent souvent moins que les hommes. Alors, on n'est pas là pour faire le procès de la moitié de l'espèce contre l'autre, mais pour essayer de changer les choses. Quelques mesures simples permettraient de changer la donne. C'est le cas, par exemple, avec les primes de présence en vigueur dans de nombreuses entreprises. Elles sont accordées chaque année aux salariés qui n'ont pas été absents. Alors forcément, comme ce sont plutôt les mères que les pères qui s'occupent des enfants malades et qui prennent des temps partiels pour s'occuper de leurs enfants même quand ils ne sont pas malades, eh bien les femmes sont en général privées de primes. Même chose avec les promotions. Un grand nombre de dirigeants considèrent qu'un cadre ne doit jamais être absent. Du coup, plus on monte dans la hiérarchie, moins on trouve de femmes qui, c'est tout à fait incroyable, sont parfois absentes parce qu'elles sont enceintes. Comme si s'arrêter 4 mois pour cette raison changeait quoi que ce soit à la capacité de diriger et d'animer une équipe. Mais revenons aux petites choses qui pourraient changer la donne. En programmant les réunions uniquement avant 18h, on permettrait aux femmes d'y participer plus facilement. Et notons que la mesure bénéficierait aussi aux hommes qui pourraient du coup, par exemple, participer à la réussite de leurs enfants ou de leur vie de couple. Du côté des pouvoirs publics, on ne peut pas dire « les lois pour promouvoir l'égalité professionnelle ou la parité existent ». La première date de 1972. Sauf que les sanctions pour non-respect de la loi ne sont jamais appliquées, en général à la demande des patrons, qui ont en effet toujours une bonne raison. Donc, pas forcément nécessaire de proposer une nouvelle loi. En revanche, ce serait pas mal d'éviter de faire passer des mesures qui aggravent la situation des femmes. C'est le cas de la réforme des retraites de 2010, qui impose aux gens qui ont des carrières incomplètes, c'est-à-dire avec des périodes d'interruption, de partir non plus à 65 mais à 67 ans. Or, qui s'arrête pour élever les enfants ? Les femmes, qui se retrouvent à devoir du coup attendre 2 ans de plus pour une retraite souvent modeste. Et pour finir, le dernier lieu où l'on peut franchement instaurer l'égalité homme-femme, c'est la maison. Si on partage les courses, la vaisselle, le ménage, les devoirs des enfants, la grippe et même la varicelle, alors chacun peut mener plus facilement la carrière qu'il ou elle a envie de mener. Et pour finir, si on a besoin d'aide pour défendre l'égalité au travail, on peut toujours contacter FO. Dans chaque département, une ou un référent égalité, spécialement formé sur ces questions, se tient à votre disposition. N'hésitez pas.